し、妖子ありけり。その狐、九つの子あり。その子、一度降らば山崩れ津波立ち。これに講じて人ども、忍びの輩を集めけり。わずか一人が忍びの者、生死をかけこれを封印せしめるが、その者、死にけり。その忍びの者、名を四代目火影と申す。Ah, c'est la nostalgie qui va parler là. Et je suis désolé, ça va être comme ça, voilà, je vais pas pouvoir être objectif. Mais si, je vais quand même tenter de l'être. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce jeu il est sorti en 2008, j'ai eu des méga souvenirs. Je me suis fait une aventure de dingue, j'étais à fond dedans, je me rappelle j'étais dans ma chambre encore. Et tout seul comme ça, dans le noir, avec ma petite télé là allumée. Et je jouais tranquillement à ce jeu, ma petite aventure là. Et j'ai. Ça fait partie des jeux qu'on apprécie énormément, dans lesquels on vit complètement l'aventure. Et qu'on a du mal à s'en détacher. Une fois fini, on est triste, quoi. Et bah voilà. Et là, j'ai ressorti ce jeu du placard. Et quand je l'ai allumé, que j'ai commencé à retâter de la bête un petit peu, du gameplay. Et ben là, je me suis dit, enfin, il y a plein de souvenirs qui me sont montés. Je me suis dit, putain, et ben ce jeu, il a pas vieilli. Il a toujours gardé ce charme qu'il a au niveau graphisme, au niveau gameplay, au niveau ambiance. Et voilà, la magie, elle est là, elle a encore opéré. Et j'ai rejoué, histoire de voir un petit peu ce que je pourrais vous montrer dans cette vidéo test. Et j'ai pris mon pied, encore une fois. Je me suis éclaté. Alors, qu'est-ce qui frappe tout de suite dans ce jeu? Eh bien, c'est les graphismes. Les graphismes qui, si vous connaissez l'animé, eh ben, vous voyez tout de suite, ou même le manga, hein, de toute manière, c'est pareil. Déjà, l'animé correspond bien et fidèle au manga. Mais ce jeu, il est fidèle, bon, bah, plus du coup, à l'animé. Et là, c'est assez impressionnant parce que. Il a son homologue en fait sur Xbox 360. Donc quand je dis homologue, c'est pas le même, c'est un autre jeu qui a été édité et développé par Ubisoft qui s'appelle Naruto Rise of Ninja. Et lui, par contre, il a pas des graphismes aussi fidèles que celui-ci. Je dirais presque même qu'au niveau des visages, c'est moche. Bon, il est sorti un an avant celui-ci, en novembre 2007, et bon, c'était pas ça au niveau graphisme. Après, niveau contenu, là, il le dépasse. Il dépasse celui-ci. Celui-ci qui a été édité par Namco Bandai et développé par CyberConnect 2. Voilà, donc, en fait, s'ils pouvaient fusionner ensemble, s'ils pouvaient faire un jeu à eux deux, bah, là, on aurait un jeu qui est complet, mais aussi avec des graphismes qui sont hyper fidèles à l'animé, comme vous le voyez ici. Voilà, donc ça je vais y passer. Hop! Donc déjà un très bon point là-dessus. C'est assez impressionnant. On vit complètement dans le manga en jouant à ce jeu. Et ce qui frappe, comme deuxième détail, et pas des moindres, c'est le village. Alors vous allez voir à la fin de ce chargement-là. Hop, ça y est, la loupiote est allumée. Voilà, attention. On va atterrir dans le village. Et ouais, on a carrément un village de Naruto, pas en pseudo 3D, pas en coupé, pas en. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans les Naruto qui l'ont précédé, et même le Naruto qui l'a succédé, Ultimate Ninja Storm 2, il n'était pas aussi bien. Ils n'ont pas fait le village aussi bien. Je m'explique. Dans les premiers Ultimate Ninjas. Non, dans les premiers Ultimate Ninja, pas Ultimate Ninja Storm. Eh bien, on avait un village en fait en pseudo 3D. Voilà, on se baladait comme ça en 2D. Et bah, par exemple, là, je suis dans cette section-là du village. Et si je voulais entrer, par exemple, là où vous voyez ici, bah hop, j'allais entrer là. Micro-chargement.
et j'allais me retrouver ici. Et mes mouvements n'étaient que en 2D. Ensuite, dans l'opus qui l'a succédé, donc Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, là, ils ont repris les anciens, enfin l'ancien mécanisme, c'est-à-dire celui que je viens vous décrire. Sauf que là, c'était carrément 3D, on pouvait voir comme ça, par exemple, voilà, on voyait ici, et par exemple, j'allais atteindre une limite, par exemple là, et hop, il y allait avoir un micro-chargement, et on allait se retrouver dans une autre section du village. Et ben, c'est une régression pour moi. Alors après, est-ce que dans le 2, ils ont pas fait un village aussi complet que celui-ci, parce qu'ils ont ajouté des trucs, enfin, beaucoup plus de choses que celui-ci, et qui du coup avaient pris un espace de disque énorme, les empêchant ainsi de faire un village aussi ouvert que celui-là. Bah peut-être. Peut-être parce que c'est vrai que celui-là, comme jeu, il souffre beaucoup de contenu, au niveau du contenu. Alors, il a pas mal de choses, je veux dire, au niveau de la collection, on peut collectionner pas mal de choses, mais c'est pas des objets qui vont nécessiter beaucoup de ressources au jeu, beaucoup de mémoire. Donc forcément, là, il pouvait s'autoriser, pouvait se permettre de faire un village aussi grand que celui-ci. Mais en revanche, voilà, on est limité par le contenu qui est assez faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce village? Bah, déjà, comme vous voyez, hop, le plan, il est énorme. Vous voyez, moi, la petite loupiote blanche, là. Et le village, bah, il est énorme. Regardez, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a de disponible? Donc, on a un double saut. Donc là, je pars au niveau du gameplay. On peut grimper sur les toits du village. Voilà, alors là, petit problème, hop. On peut parcourir à peu près tout le village sur les toits. On peut accélérer en utilisant le chakra. Voilà la petite orbe bleue que vous voyez autour de moi là maintenant. Hop. Donc c'est sympa. Voilà. Donc là vraiment on peut s'éclater comme on veut. En plus le gameplay il réagit très bien. Aucun souci de ce côté là. Je dirais peut-être juste un petit bémol au niveau de la caméra. Elle est pas assez rapide. On peut aller voir dans les options, mais les options, c'est juste pour inverser en fait l'axe de la caméra, mais en aucun cas pour agrandir la vitesse de quand on tourne. Alors, comme vous voyez, on peut détruire ces espèces d'objets voilà, dans lesquels sont contenus de l'argent. Allez, par ici, hop. Et vous voyez que j'ai 1 million et quelques de Rio. Hein. Et ça, c'est normal, puisqu'en fait, le jeu... Tenez-vous bien, je vais me vanter un petit peu. J'ai eu le platine. Et ouais, j'ai tout eu. Je l'ai fini à 100%. Ouais, bon, on va arrêter les gamineries, là. Et ouais, non, mais je suis assez fier de moi. Je l'ai fini de fond en comble. Et tout ça en, comme vous le voyez, 50 heures près de jeu. Voilà. Donc, j'ai fait 88 000 pas. J'ai détruit 4880 objets. Voilà, donc le jeu, je l'ai vraiment fini à fond, comme il faut. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, donc, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer d'autre? Alors, ce qui est assez sympa, c'est l'utilisation du chakra. Donc, comme vous voyez, voilà, on peut aller vite, on peut faire des sauts extrêmes. Mais ce qui est le plus marrant dans l'utilisation du chakra, c'est le canon Naruto. Attendez, je vais pouvoir vous le montrer peut-être, voilà, ici. Et attention, je vise. Je sélectionne un endroit. Et là, j'appuie sur croix. Et attention, vous allez en prendre plein les yeux. Voilà. Oh bah bien, j'ai fait le master combo là, je me suis pêlé et en plus je me suis aplati contre une surface. Ah là c'était assez épique là, magnifique. Bon, on va essayer d'atteindre le plus haut endroit de Konoha afin de vous montrer un petit peu. Alors si j'y arrive bien évidemment. Bon là je serai un peu trop court je pense. Mais c'est pas grave, je vais m'exploser contre comme une crêpe, c'est parti. En plus c'était la Chandler il y a pas longtemps. Voilà, alors, ici, regardez-moi ça, allez, la caméra, voilà, donc on a une très bonne distance d'affichage, comme vous voyez, hein. Pour ça, il n'y a pas de problème, on voit absolument tout le village, bon, bien évidemment, il y a les toits qui gênent pour montrer les détails dans les ruelles et tout ça, donc forcément, là, c'est une bonne stratégie, hein. Et autour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de la verdure, hein, bien évidemment, mais c'est sympa, hein. Bon, allez, on va faire le gros saut de l'ange, là. Attention. Et là, attention, je vais m'éclater. Ouh, ça a ralenti. Ouh, alors voilà, hein, bien évidemment.
Le jeu ralentit parfois. Alors là, tiens, je vais en profiter pour vous montrer ça. Parfois, quand on aura des espèces de petits bouts de bois comme ça accrochés au mur, ça signifiera qu'en utilisant le chakra, on peut grimper dessus. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Oui, on peut lancer des espèces de shuriken comme ça, se mettre carrément en mode visée. Voilà. Et lancer tout plein de shuriken. Donc ça sert essentiellement pour détruire les objets comme je vous ai montré. Mais aussi, parfois, on va devoir détruire des espèces d'objets qui seront disséminés dans le village afin d'avoir des rouleaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré sinon? On a des espèces de boutiques. Alors, où est-ce que je. Alors là, je vais sortir et je vais aller sur la droite. Voilà. Et je vais vous montrer une espèce de petite boutique. Bon, déjà, là, ce que vous voyez en bleu, c'est les points de sauvegarde. Donc, là, dans les points de sauvegarde, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez, comment. Voilà. Voilà, on peut sauvegarder, regarder la collection, donc ça je vous montrerai après. Avant, je vais vous montrer une boutique. Alors, attendez, elle est où la boutique? Elle est juste à côté, mais j'arrive pas à me repérer. Où est-ce qu'elle est? Attendez, elle est juste là à côté. C'est le truc vert là. Mais c'est pas possible. Ah, elle doit être derrière. Voilà, ici. Bon, bah, rien de spécial à vous montrer de toute manière, hein. Voilà, portrait. Tiens, ça c'est quoi, portrait? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est tous des trucs en fait qu'on peut acheter pour la collection. Voilà, technique secrète, musique, mais ça je vais vous le montrer. Et bon, bah, les boutiques, ça nous sert à acheter des trucs comme ça nous sert à acheter des objets pour les combats. Voilà, ça par exemple. Vous allez voir quand je vais vous montrer les combats, on pourra utiliser ça, histoire d'avoir un peu plus de force, un peu plus de vitesse, d'avoir des objets explosifs, etc. Et donc, tout ce qu'on achète dans les boutiques, ça se répertorie ici, dans collection. Et là, eh ben, je peux vous dire qu'il y a un paquet de trucs. Ça, c'est sûr que c'est un très bon point du jeu. Voilà, donc les portraits, comme vous avez vu que je peux acheter, bah voilà, par exemple, je sélectionne Naruto, et là, on a un espèce de trophée de Naruto. Voilà, on peut le faire bouger, ça c'est sympa. Ils ont tous une petite animation, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Donc voilà, on peut le bouger, comme ça, on peut zoomer, classique, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les techniques secrètes. Alors là, les techniques secrètes, c'est ce qui nous permet de, ben, en fait, de voir un peu tout ce qui est disponible pendant un combat. Parce qu'en fait, on a des techniques secrètes qu'on peut faire. Et là, elles sont toutes répertoriées ici. Donc si jamais voilà, vous avez envie de vous mater une petite technique secrète, parce qu'elles sont vraiment bien faites, c'est aussi un énorme point fort du jeu. C'est les attaques ultimes, quoi, qu'on peut faire pendant un combat. Et c'est impressionnant. Franchement, c'est très impressionnant. Et voilà, donc si on veut se les mater, voilà, par exemple, on peut faire ça. Donc là, j'ai choisi l'endroit sur lequel j'ai envie que se fasse la technique secrète. Je choisis le personnage que je veux qui utilise sa technique secrète, donc par exemple Sasuke Uchiwa. Et contre qui il va se battre, par exemple, son frère, voilà, Itachi. Et vous allez voir, attention, prenez-en plein les mirettes. Ah, c'est beau, hein? Ah, je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Ah, si vous êtes impressionné, je vous l'avais dit, hein! C'est très. Voilà, c'est magnifique, c'est très travaillé. En plus, les techniques sont assez longues, comme vous avez pu le voir. Et ça fait pas mal de dégâts. On a en tout 3 barres de vie par personnage. Et ça en enlève bien une et demie quand même, hein? Alors, les musiques, bon, bah, classique, hein, c'est. C'est les musiques reprises de l'anime normalement, ou alors qui y ressemblent beaucoup. Voilà, bon. Rien de transcendant. On a les diaporamas. Alors, les diaporamas, ça c'est des trucs assez typiques à ce jeu-là. C'est des espèces de grands trophées qui montrent des passages de l'anime qui sont cultes, sous forme de trophées comme ça, et qu'on va pouvoir animer comme tout à l'heure, en appuyant sur croix, voilà, par exemple. Et là, on a une scène culte du manga. Voilà, par exemple, les deux gros géants là qui se battent ensemble. Voilà, donc tous des petits trucs sympas à collectionner et que j'ai tout eu, donc je suis content. Voilà, collecté 100%. Voilà, à partir d'ici. Alors, bien évidemment, le village, il est énorme, mais malheureusement, eh ben, on peut pas en sortir. À comparer du Rise of Ninja sorti sur 360 qui lui nous permet de sortir carrément du village, d'aller explorer, et eh ben celui-ci, non, c'est dommage.
Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais vous montrer le principal. Donc là, c'est la liste des missions. Donc, en principal, on peut faire l'aventure. Voilà, ici, qui se déroule en plusieurs petites missions et qui va retracer toute l'aventure avec des cinématiques tout aussi ultra bien faites comme vous l'avez vu au début. Franchement, je vois même pas la différence entre les cinématiques et quand on joue comme ça avec le moteur du jeu, puisque je pense que les cinématiques ont été faites avec le moteur du jeu, à part peut-être certaines, comme vous avez vu là, peut-être la toute première. Et encore, j'en doute, hein, parce que c'est pas éblouissant, mais en même temps, c'est pas mauvais. Voilà. On a une guerre toujours une très bonne qualité. Il n'y a pas une fois où on se dit, ah bah là, la cinématique, elle est un petit peu dégueulasse. Non, non, jamais. Et même, vous avez vu quand je joue, pendant les combats et tout, c'est tout pareil. Voilà. Alors, en plus de la trame principale qu'on a ici, on a d'autres missions. Mais voilà, à part ça, à part les missions de la trame principale, qui possèdent aussi des petites missions annexes, ainsi que ces missions-là répertoriées en plusieurs niveaux de difficulté, bah, on n'a rien d'autre. Voilà, vous avez tout vu, vous avez vu le village, vous avez vu, enfin, vous voyez ces missions-là, que je vais vous en montrer quelques-unes, et la trame principale. Bon, vous allez me dire, c'est déjà pas mal, oui, parce que la durée de vie, franchement, pour finir le jeu, il faut bien une vingtaine d'heures. Moi, j'ai mis 50 heures parce que, comme vous savez, j'ai eu le platine, qu'il m'a fallu faire beaucoup de choses, comme par exemple, voilà, donc là, si on va dans les rangs S. Vous voyez, on a toujours des. À chaque mission, là, vous voyez, on a toujours au début trois petites étoiles comme ça. Et qui correspond à peu près au trophée. En fait, voilà, faites au moins 5000 pas. Voilà. Et bien évidemment, quand on va augmenter de niveau jusqu'au rang S, là, on va atteindre. Voilà, comme là, par exemple, faites 40 000 pas. On a d'autres choses. Voilà, jouer pendant au moins 20 heures. Voilà ce que je vous disais. Le jeu se finit en à peu près 20 heures. Mais vraiment, après, si vous voulez aller beaucoup plus loin. C'est assez compliqué. Alors, comme vous le voyez, si vous avez l'œil fin, voilà, vous pouvez voir que ici, eh ben non, je l'ai pas terminé. Et ça, en fait, ça fera l'objet d'une mission que je prépare. Là, j'ai un petit peu préparé dans ma tête. Je pense pas la réussir, mais comme je m'étais dit maintenant, avant ça s'appelait les vidéos challenge que j'ai modifié en vidéo mission. Voilà, ça s'appellera des missions. Parce que maintenant, j'ai pas envie que ce soit des challenges de merde, j'ai pas envie que ce soit des missions de merde. J'ai vraiment envie que ce soit, quand je fais des vidéos missions, bah, que ce soit pas des missions, voilà, des petites missions que je me suis lancé comme ça. Non, non, là, ça va être vraiment compliqué. Et voilà, et je vous le réserve donc pour une vidéo spéciale. Alors ça, il faut savoir que ça ne fait pas partie du jeu principal. C'est une mission que j'ai dû télécharger en DLC gratuit. Et que je n'ai pas réussi encore parce que c'est vraiment très 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 compliqué. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous propose comme mission particulière? Bon bah des missions combat, des missions escalade, des missions cache-cache, des missions qu'est-ce qu'on a d'autre? Escalade ou course, je sais pas lequel je vous ai déjà dit. Et moi je vais vous montrer un petit peu des missions qui regroupent tout. On n'en a pas beaucoup. Il y en a deux missions comme ça, celle-ci et celle-ci. Voilà, qui regroupe plusieurs types de missions. Donc voilà, on va faire celle-ci, qui regroupe, comme vous voyez en haut à droite, escalade et combat. Donc hop là, on va se la faire. Donc attention, hein, c'est une mission de rang A, donc ça risque d'être chaud, hein. J'ai déjà essayé avant de faire cette vidéo test et je me suis chié comme une merde. Donc si j'y arrive pas, c'est pas grave, on passera aux choses. Mais de toute manière, eh ben, je vous ai déjà tout dit sur le jeu. Je vous ai déjà montré l'essentiel. Là, je vais vous montrer les missions qui sont quand même. Parce que bon, le principal, c'est quand même les combats. Et ça, je vais vous le montrer dans les missions. Mais sinon, ce qu'il y a en annexe des combats, bah, vous avez tout vu. J'ai rien d'autre d'important à vous parler. Donc là, on va passer vite. Allez, grouille-toi. Oui, allez, il y a le titre à rallonge. Allez, go, 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 go. Bon, heureusement, ça va assez vite. Voilà, alors là vous allez voir une phase d'escalade que je trouve pas mal, qui est assez compliquée vu qu'on est dans un rang A, là, une mission de rang A. Et vous allez voir un petit peu, c'est pas mal palpitant. Alors, bon là je lis pas hein, parce que de toute manière je vais vous l'expliquer. Donc, pendant qu'on monte, on peut sélectionner plusieurs objets, des objets rapides, voilà, qui nous font aller vite comme ça. On peut, hop là, esquiver les arbres. Ou
les techniques que nous lancent ceux contre qui on se bat. Donc là, je me bats. Ouais, merde. Oh, tiens, j'ai esquivé. Ah, si, parce que j'avais un objet. Substitution, voilà, parce qu'on peut. On peut prendre des objets, oh merde, substitution, des objets qui nous font aller plus vite, comme les objets bleus, et, merde, et des objets, voilà, c'était impossible à esquiver, et des objets qui nous permettent de lancer des techniques secrètes. Oh putain, mais là, qu'est-ce que vous voulez que j'esquive, là, c'est pas possible. Allez, là, faut que je monte en moins d'une minute, là. Oh là là, mais regardez-moi ça. Alors, vous voyez, en bas à droite, on voit le curseur de... d'autres personnages, donc on voit à peu près où est-ce qu'il se situe par rapport à moi. Donc là, la mission, d'accord, c'est monté. Merde, oh putain, c'est monté, mais en même temps, il faut que la difficulté après, c'est de monter dans les temps. Et ça, alors comme vous voyez, il y a plusieurs, c'est des sections. Je veux dire, on peut pas naviguer librement sur l'arbre. Voilà, c'est à gauche, à droite, et c'est tout. On peut pas esquiver comme on veut, malgré que ce soit quand même... Oh putain, mais regardez-moi ça, mais c'est un mur de branches, qu'est-ce que vous voulez y faire? Là, j'ai plus de 15 secondes pour arriver en haut, j'y suis presque. Allez, allez, allez. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Oh, j'ai vraiment eu de la chance, parce que tout à l'heure, j'ai galéré à le faire. Bon, bah c'est parfait, comme ça, je vais pouvoir enchaîner sur un combat, je vais pouvoir vous le montrer. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Mais en même temps, voilà, on va retrouver à peu près que ça... Durant tout le truc, ça va se diversifier par rapport à ça, mais au sein même des missions, bah, ça se diversifie pas trop. Vous voyez, qu'est-ce qui est difficile par rapport aux autres missions que j'aurais pu faire, aux missions de rang inférieur, bah, c'est qu'il y ait moins de branches, que les personnages montent moins vite, et qu'ils nous ralentissent moins avec leur technique. Voilà, c'est tout ce qui pourrait changer. Donc ça se diversifie en termes de choses qu'on a à faire, mais au sein même de ces choses-là, bah, c'est pas optimal. Bon. Et là, maintenant, je vais vous montrer ce qui est au centre du jeu. Et qui est le combat. Donc là, ça va aller un petit peu vite. Autant parce que je vais me faire latter lamentablement. Soit bah, parce que je vais essayer de le bousiller assez vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un combat? Eh ben, on peut se déplacer. Yahoo! On peut utiliser des techniques avec triangle et rond. Voilà, ma première technique. Hop là, qui consiste à faire le Rasengan. Donc là, j'ai simplement fait triangle rond. Comme vous voyez, ça me bouffe un petit peu de chakra en haut à gauche, en dessous de ma barre de vie verte. Vous voyez le bleu. Hop, j'utilise triangle rond et je peux faire ça. Si je dépasse le petit cran que vous voyez sur ma barre de chakra, je peux cette fois non pas appuyer une fois sur triangle pour utiliser du chakra, mais deux fois. J'appuie sur rond pour l'utiliser. Et là, non, c'est lui qui m'a eu. Voilà, donc ça, c'est sa technique à lui. Donc ça, c'est une technique normale, mais comme je vous dis, en appuyant deux fois sur triangle et rond, on peut utiliser sa super technique. Et je vais essayer de la faire parce que c'est assez chaud. Hop là, je me substitue en appuyant sur la touche de garde qui est R2 ou L2. Et là, oh, j'ai réussi, parfait. Donc là, je fais des touches, comme vous voyez en bas. Est-ce que je vais réussir? Je pense que oui, j'ai réussi. Et là, prenez-en plein les yeux, voilà, c'est une technique secrète. Une chaîne de Naruto, toujours aussi impressionnante ces techniques-là. Bon voilà, et à part ça, voilà, on peut utiliser les objets que vous voyez en bas. Ah putain, allez, j'ai plus de chakra, je peux plus me... Les objets que vous voyez en bas avec les touches directionnelles, là en bas à gauche. Bon, voilà, par exemple, là je viens de me monter la force, par exemple, là je viens de me remonter du chakra. Là j'ai dû lui lancer un truc que j'ai failli me faire exploser à la gueule. Là je viens de lui envoyer des shurikens volants, hop, qui viennent de l'atteindre. Là je peux foncer sur lui en appuyant deux fois sur croix. Ou alors si je suis loin, par exemple... Allez, lâche-moi. Si je suis... Mais lâche-moi, je t'ai dit! Si je suis loin, je peux par exemple me rapprocher de lui en appuyant sur triangle et puis... Oh, merde! En appuyant sur triangle, puis rond, s'il me lâche un petit peu. Voilà, triangle, rond, croix. Putain, je me cours dans les touches. Non, c'est triangle. Mais il va réussir à m'avoir, hein? Non, attendez, faut que je l'aie, là. Faut que je l'aie. Voilà. Non, en fait, c'était un petit détail. En fait, c'était quand on est loin, on peut appuyer sur triangle et croix et il va faire une charge... Jusqu'au personnage. Voilà, alors j'avais des soutiens que je n'ai pas utilisés. En fait, les soutiens, ça consiste à nous soutenir. Yeah! Non, en fait, ça consiste à... vous appuyez sur L1 ou R1 pour les utiliser. Et si vous êtes en difficulté, par exemple, l'autre est en train de vous enchaîner, et bien vous appuyez sur R1 ou L1 pour utiliser un des deux. Il va faire une technique qui va atteindre le personnage contre qui vous vous battez.
Et ben comme ça vous allez pouvoir reprendre la main. Bon, il est évident qu'on ne peut pas les utiliser tout le temps. Ils ont une barre qui va se recharger, durant laquelle on ne pourra pas utiliser ces personnages, bien évidemment. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur les combats, hein. On va certainement en refaire un après l'autre mission que j'ai envie de vous montrer. Donc là, vite, allez, 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 allez. Dépêche-toi. Là, je vais vous montrer un autre type de mission qu'on peut rencontrer. Et qui sont... Alors attendez, c'est ouais, donc liste de mission. Donc c'était là où j'étais. Rang A comme d'hab. Et c'est celle-ci. Donc vous allez voir. Course, combat, course. Allez, 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 allez. Et là, en fait, je vais devoir... Ah merde, attendez, faut que j'aille... Oh putain, bah oui, comme par hasard, c'est tout à l'autre bout du village. Bon, alors, je vais vous expliquer le principe en attendant. Ah, attendez, quoique, si je rencontre des espèces de cordes dans le village, je vais pouvoir vous montrer un truc que je vous ai pas encore montré, c'est... C'est un petit mouvement. Ah bah comme par hasard, il n'y a pas de corde là. Attendez. Peut-être qu'il y en aura ici. Normalement, c'est dans des ruelles. Putain, mais ça, c'est impressionnant quand même, hein. Chaque fois qu'on en veut, pourtant il y en a de partout, hein. Chaque fois qu'on en veut, bah il n'y en a pas. Là, c'est pas possible ça. Bon, bah, alors il y en aura peut-être ici. Dans la ruelle d'à côté. Ouais, oui, ça y ressemble. Oui, si, si, si. Mais par contre, elles sont beaucoup trop hautes pour moi. Putain, allez, la caméra, elle est beaucoup trop lente. Voilà, parfait. Et donc là, voilà, donc je suis accroché à un truc. J'appuie en haut plus croix pour me balancer comme ça. Et je dois relâcher croix dès que Naruto s'illumine. Comme vous voyez, il devient un vert luisant pendant une demi-seconde. Et je vais atteindre l'autre corde que vous voyez en face. Et si je fais bien mon coup, je vais pouvoir appuyer sur croix pour qu'il continue en fait sa cascade. Attention. Hop, j'appuie sur croix et il continue. Je rappuie sur croix, il continue. Et voilà. Un petit enchaînement bien sympa, histoire de vous la péter un petit peu dans le village. Voilà. Allez, on va se faire une petite propulsion là. Wouhou! Voilà, comme ça on a un gain de temps assez énorme. Ah, où est-ce qu'il est? Du coup, j'arrête pas de faire le con. Ah oui, regardez un petit peu. Hop. Ça, c'est bien connu dans Naruto. On peut marcher sur l'eau. Et ouais, c'est des dieux. Non, en fait, ils utilisent leur chakra, leur espèce de pouvoir pour... Eh merde, moi, je vais complètement à l'opposé. Eh ben, pour pouvoir marcher sur l'eau. Ah tiens, je vais vous montrer un autre truc pendant qu'on y est. Des fois, on aura des espèces de trucs scellés, comme ça, des portes scellées qui renferment des coffres contenant divers objets divers et variés. Et on a par exemple là comme vous voyez en haut, en bas de ma barre de vie, de ma barre de chakra, obtourbillonnant, c'est une technique qu'on apprend plus tard dans l'aventure. Et quand on l'a, on peut justement détruire ces portes-là. Et voilà, donc là, hop, on bourrine le rond. Et voilà, ça détruit la porte. Et là, on va pouvoir récupérer des objets qui contiennent des pièces ou alors un coffre qui contienne divers objets. Comme je vous l'ai dit. Voilà, et ben là, comme ça au moins c'est très complet. Je vous ai montré tout ce qu'il y a à vous. Tout, ben, voilà, tout ce que j'avais à vous montrer. Maintenant, on va vite aller à la mission. Hop, avec Akamaru et son chien. Non, c'est Kiba et son chien Akamaru. Ouh là là, je commence à me tromper, moi. Allez, 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 allez. Parce que là, je vois que ça va bientôt faire 30 minutes déjà. Et oui, déjà. Alors là, c'est assez marrant. Ça va être... Le but va être de capturer le chien Akiba, donc Akamaru, et de naviguer en fait de branche en branche, comme c'est bien connu ça aussi dans le Naruto, dans l'anime ça ils le font souvent, même qu'on dirait qu'ils volent à chaque fois. Ils sont là, ils vont de branche en branche, mais en fait ils passent plus de temps à voler, enfin à rester en l'air qu'à s'appuyer sur des branches, ça c'est assez marrant. Donc je peux ralentir en maintenant le joystick maintenu vers le bas, donc que je ne vais pas faire. On peut prendre des espèces de boosts comme ça. Donc si j'en prends plusieurs, je vais pouvoir... Ah merde, oh bah là je vais pas y arriver. Bon c'est pas grave, je recommencerai. On peut faire des boosts. Voilà, je peux détruire des arbres aussi en même temps que je booste. Voilà, donc si on prend plusieurs boosts d'affilée, je vais essayer. Attention, eh merde. Ah ah, peut-être. Il se passe n'importe quoi. Voilà.
Ah si si, vous avez... Oh merde, j'ai loupé. En fait, si on prend 3 boosts d'affilée, on y a une petite animation qui nous fait passer par-dessus les arbres. Et on a une très très belle vue. Donc si je l'attrape pas, on recommencera, je vous montrerai ça. Donc c'est assez beau. Et le but, en fait, voilà, c'est d'attraper le chien. Donc je sais pas si je vais y arriver, parce qu'au bout d'un moment, il va nous lancer un sort. Pipi de chien, presque, on peut l'assimiler ça à ça. Allez, carré. Oh merde, je l'ai... Oh bah je l'ai pas eu. Bon, bah c'est pas grave, je recommence. Ah, c'est assez chaud, hein. Voilà, réessayer. Et donc, en fait, eh ben, il faut essayer de maintenir une vitesse assez haute. Donc, quand on va prendre des boosts, il va continuer à avoir une vitesse constante et qui est assez haute. Et en fait, tant qu'on ne ralentira pas ou qu'on ne se fera pas avoir par un arbre... Attention, regardez! Belle vue, n'est-ce pas? Même s'il n'y avait pas beaucoup de détails. Voilà, donc là, par exemple, j'ai une vitesse qui est assez grande, assez élevée. Et qui restera comme ça tant que je me payerai pas d'arbre ou quoi que ce soit d'autre. Oulala, 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 rond, vite! Ouais, c'est bon, je me suis rattrapé. Et là, il va falloir que j'atteigne. Bon, voilà, hein. À part ça, comme vous voyez, quand j'ai pas beaucoup de vitesse, c'est assez platonique, hein. Il se passe pas grand-chose. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a une liberté de mouvement. Eh merde, je me suis fait avoir par un pipi de chien, putain. On a une liberté de mouvement qui est beaucoup plus grande que lorsqu'on escaladait un arbre. Comme vous voyez, par exemple, je suis en l'air et là, je peux faire des gauches-droites tout en étant en l'air, qui est assez agréable, du coup. Allez, croix, attraper, c'est parfait, je l'ai eu. Yes, yes, et re-yes. Ouais, donc là, maintenant, je vais me battre contre Kiba. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir choisir les personnages. Et donc, vous allez voir un peu tous les personnages disponibles qui sont assez nombreux, en fait. On va pouvoir choisir contre des personnages, contre les bah, tous ceux qui s'entraînent, les enfants, quoi, on va dire, et les sensei. Voilà, donc, parce qu'en fait, dans Naruto, les élèves sont regroupés par groupe de 3, et ils ont chacun un sensei, un maître, qui les épaule, qui les entraîne. Voilà, et donc, tous les genins sont là, enfin les genins, non, après, ils vont augmenter de niveau, mais... Parce qu'en fait, au début, c'est des Genin, après des Chunin, après Tajunin. Bon, bref. Et là, on a les sensei, voilà, tous les adultes qui vont les encadrer. Et moi, il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est Rock Lee. Qui peut faire penser, bien évidemment, à Bruce Lee. Donc, on va prendre son maître, Gai Sensei, et une femme, voilà, dans l'équipe, histoire d'avoir une jolie fille. Là, on peut choisir le pouvoir secondaire. C'est-à-dire quand j'appuie une seule fois sur triangle et sur rond. On peut en choisir plusieurs, donc moi j'aime bien la tornade de Konoha et aussi le pouvoir qu'aura nos soutiens lorsqu'on va les choisir. Mais moi je vais laisser ça comme ça. Voilà, et là vous devez vous dire, mais pourquoi tu apprécies un personnage comme celui-ci qui n'a pas vraiment la classe, qui a une coupe un petit peu rétro? Voilà, pourquoi tu l'aimes bien? Eh bien je l'aime bien de par son histoire. Et ouais, parce qu'elle est assez triste. Il a été rejeté, d'après ce que je me souviens. Mais aussi, ce qui est triste, c'est que contrairement à tous les autres élèves, lui, il ne peut pas utiliser des capacités de ninjutsu ni de genjutsu. Donc si vous ne le savez pas, ninjutsu, c'est le pouvoir, en fait, tout ce qu'on peut utiliser grâce à notre chakra. Et le genjutsu, c'est tout ce qui est sort d'illusion. Et lui, eh ben, il ne peut utiliser que du taijutsu. Le taijutsu qui, voilà, qui en fait, n'est que le corps à corps, voilà. C'est que du cac. Allez, putain, mais pourquoi? Voilà. Putain, mais là, je me fais laminer, là. Voilà, donc il ne peut utiliser que le taijutsu. Et du coup, il devient extrêmement fort. Il atteint des niveaux que d'autres personnages n'ont pas en termes de taijutsu. Et c'est un petit peu normal, hein, en même temps. Puisqu'il n'a que ça pour se défendre. Il faut bien qu'il soit plus fort qu'eux, là-dessus. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire divers enchaînements. Par exemple, là, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, je vais... Si je le bourrine, voilà. Je vais appuyer avec la touche d'en haut. Je vais laisser le joystick appuyer en haut. Et je vais faire... Ah, merde. Et je vais faire un enchaînement qui sera différent de si, par exemple, j'avais appuyé à gauche, par exemple, pour l'enchaînement. Ah, donc là, je vais essayer de vous faire... Allez! Allez! Mais téléporte-toi! Voilà. Une technique secrète, je vais essayer de la faire. Ce serait pas mal. Ouais, j'ai réussi. Alors, faut que je fasse les bonnes touches. Allez, vous allez voir, une technique bien marrante.
voyez à quel point il est vif. Ah, j'adore ça. Ah, moi j'adore. À se battre comme ça, une telle technique au niveau du combat, j'adore ça. C'est super beau. Et en plus, voilà, le pauvre, il peut pas utiliser son chakra, alors il faut bien qu'il se rattrape ailleurs. Alors là, je vais faire exprès de me faire enlever jusqu'à ma dernière barre de vie, là. Et vous allez voir un truc qui n'est pas inhérent à chaque personnage, c'est le fait de pouvoir se transformer. Voilà, lui, il a carrément une transformation qui fait qu'il change, du coup, sa technique secrète que je vais essayer de faire pour le finir. Attention, attention. Est-ce que je peux lui faire quand il est comme ça? Merde, 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 non, et je vais le tuer. Oh, je vais le tuer, et merde. Et merde, putain de chiotte. Oh, je voulais vous montrer sa super attaque, elle était balèze aussi. Mais ouais, c'est pas grave. Elle était très impressionnante, d'ailleurs c'est sur elle que je comptais. Je voulais absolument vous la montrer. Ah, c'est pas grave. Parce que là, franchement, quand il est comme ça, il ouvre des portes. C'est ce qu'il appelle des portes. Parce qu'au niveau du chakra, ils sont limités par ce qu'ils appellent des portes. Et du coup, en fait, quand il franchit d'autres étapes, il va débloquer des portes de chakra qui fait qu'il va pouvoir en utiliser beaucoup plus, être beaucoup plus rapide. Mais, paradoxalement, ça va être dangereux pour lui. Bon, et ben voilà. Je vous ai tout montré. Bon, attendez, je l'ai battu. Donc là, il va y avoir encore une petite phase sur les arbres. On va essayer de rattraper le chien encore une fois. Bon, et puis sinon, bah écoutez, j'ai tout dit, je vous ai montré ce que je voulais, à part, il n'y a qu'une seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est bien évidemment les combats contre les boss, les gros boss, et qui est quand même un gros atout et une grosse partie de ce jeu. Là, franchement, je ne vous ai pas montré le combat des boss, mais c'est un gros détail. Ce serait une honte de ne pas vous le montrer, mais comme je vous ai dit, je vais vous le montrer pendant le pendant ma mission, parce qu'en fait la mission que je n'ai pas faite, c'est en fait le tous les combats de boss enchaînés et en mode difficile. Et là vraiment, et ben comme ça va pouvoir je vais pouvoir faire deux choses en une, c'est-à-dire essayer de tenter de réussir la dernière mission que je n'ai pas réussie encore dans ce jeu, mais en même temps de vous montrer les combats de boss qui sont complètement impressionnants et qui ont été repris d'ailleurs dans le prochain opus de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 et qui sont encore plus impressionnants. En fait, le 2, c'est ce jeu puissance 2, voilà. C'est le Naruto Ultimate Ninja Storm 2.0. Il est vraiment énorme et il va beaucoup plus loin dans l'histoire. D'ailleurs, en parlant d'histoire, moi, c'est vrai que avant j'achetais les mangas, mais depuis j'ai arrêté parce qu'il va beaucoup trop loin et ça revient forcément à cher. Et du coup, en fait, je me sers des jeux comme ces Naruto-là, Ultimate Ninja Storm, pour me maintenir au courant de l'histoire. Je sais que je pourrais aller voir des scans sur Internet, mais bon, je préfère les vivre comme ça au sein des jeux vidéo. C'est beaucoup plus palpitant, beaucoup plus marrant, voilà. Je préfère faire comme ça. Voilà, voilà. Sinon, quand on finit une mission, il y a des espèces de petits rouleaux qui sont disséminés dans la map. Voilà. Nouveau secret rouleau secret apparu. Voilà, qui sont... attendez, il y en a qui sont pas loin. Je vais pouvoir vous les montrer. Voilà. Donc là, vous voyez. Et c'est avec ça, par exemple, hop, on se met en mode visée. Là, on va pouvoir récolter les rouleaux. Voilà, bon. Je vais pas tous les avoir. C'est pas grave, c'est histoire de vous montrer un petit peu. Voilà. Et donc là, il y en a plein qui sont disséminés comme ça. Et à quoi ils servent? Eh ben, je vais vous montrer. Par contre, il va falloir que j'aille tout au bout du village. Que j'aille voir Iruka-sensei. Bon, allez, 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 allez. Ah oui, on a aussi des petites missions comme ça. Avec Ishiraku, comme avec lui, là, en fait, on devait livrer des ramen. Enfin, des ramen, pas que des ramen. Des espèces de recettes. Voilà, qu'on devait livrer à des gens dans un temps imparti. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Ah ouais, il est là-bas. Dans un temps imparti. Et c'était bien marrant. Sinon, dans le village, on peut parler parfois à des personnages, voilà, comme celui-ci. Oh, j'ai faim. Eh ben, tu sais quoi? Moi aussi, j'ai faim. Non, c'est vrai, j'ai réellement faim. Là, ça va être l'heure de manger. Et je vais me faire un bon plat de pâtes, vous savez quoi? Après ce jeu, je crois que je vais faire comme Naruto, je vais me bouffer des pâtes. Parce que lui, c'est son plat préféré. Et moi j'adore aussi, donc je vais m'en faire un bon plat. Voilà, et lui, en fait, je crois qu'il nous vend des techniques à apprendre. Et dès qu'on a plus rien, alors je crois qu'on peut simplement échanger du rouleau, je sais pas. Voilà, Ninjutsu de soutien. Et là, hop,
Je vends mes 58 rouleaux contre 2900 Rio. Et voilà. Tout simplement. Bon, eh ben écoutez, je n'ai rien d'autre à vous montrer. Je vous ai tout dit. Vous savez tout. À part les combats de boss, comme je vous l'ai dit. Mais ça, ce sera réservé pour la vidéo mission. Que je ne pense pas réussir. Mais franchement, je vais tout faire. Mais pourquoi je pense pas la réussir? Eh ben c'est parce qu'à un moment. Putain, mais là je galère. Hein. Ben, c'est parce qu'à un moment, en fait, on doit se battre contre les boss, mais il y a un enchaînement de touches à faire et il est complètement impossible à réaliser. Je crois que je vais galérer et je vais même abandonner, hein, ça va pas être possible. Bon là, je peux pas monter, alors qu'est-ce que je vais faire? J'essaie de monter... où est-ce que je pourrais avoir une bonne vue? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Eh merde. Ouais, voilà, donc à part ça, j'ai absolument... D'accord, je viens de me péler. Bon, bah c'est... Bref, on va arrêter là. Ah si, oh là je peux monter. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire sur le jeu? Eh ben le jeu, il est très beau. C'est des graphismes qui sont hyper fidèles au manga, à l'anime. C'est un jeu dans lequel on peut collectionner plein de trucs qui sont pas mal à retrouver en termes de techniques secrètes, des espèces de trophées qui montrent les meilleurs moments. À part ça, on n'a pas grand-chose en termes de contenu, parce que comme je vous l'ai dit, on n'a que l'émission et la trame principale. Le jeu se rattrape aussi dans le fait qu'on peut se balader dans le village, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Mais à part ça, eh ben, on reste sur sa fin. Il est un petit peu vide. Voilà, c'est ça, c'est qu'il est vide. Ça, c'est malheureux à dire. Mais c'est comme ça. Mais il n'empêche que... Ben moi j'ai pris mon pied dans ce jeu et comme je vous l'ai dit, j'ai complètement vécu l'aventure. Le fait de pouvoir se balader dans le village comme ça, c'est vraiment marrant, c'est vraiment... C'est bon quoi. Voilà, on s'identifie au personnage, on s'identifie à cette aventure-là, on fait ce qu'on veut, on parle aux gens, c'est marrant. C'est des petits trucs comme ça qu'on aime dans les jeux, l'interaction avec les gens, l'interaction avec le décor, le fait d'être libre, en fait, de pouvoir faire ce qu'on veut, eh ben ça nous aide. Ça nous aide à apprécier le jeu à sa juste valeur. Voilà. Bon, et ben, je vais vous laisser sur la petite cinématique de fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo test et que vous aurez envie de vous essayer au jeu, parce que... Malgré le fait qu'il soit sorti en 2008, il n'a pas vieilli du tout. Et si vous aimez ce manga, si vous avez une PS3 et que cette vidéo test vous a donné envie, eh ben fermez les yeux sur le prix, parce qu'en plus, il a dû bien baisser. Hein. Je crois qu'on peut le trouver. C'est ce que je dis, moi. On peut le trouver à 12 € en occasion, je suis certain. Voilà. Comme ça, vous allez passer un très, 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 très bon moment. Allez, eh bien, je vous laisse. Retournez bien à vos occupations et ciao à tous. そうか。少し長旅になりそうだな。うん。そろそろ行くぞ、ナルト。 新たなる歴史の光。 木の葉舞う風の旅立ち。 じゃ、行ってくるってばよ、 イルカ先生。 ラーメン代は出世払いね。 ったく。 頑張れよ、 ナルト。 見ててくれ。 何してる？ 行くぞ！ おい！ とうぶん戻ってこないぞ。 うん。 寂しがってたらこれから先一歩も進めねえからな。今は
前だけを見て突き進むってばよ。そういうところが抜けとるの、お前は。だって、エロ仙人がせかすからさ。かぁ、師匠のせいにするか、このバカ弟子が。でもさぁ。